quel est le secret de la réussite, la longévité d'un couple comme le vôtre? L'amour. Oui. C'est tout. L'amour et nos deux filles. S'aimer et puis aimer, bien sûr, les enfants, les petits-enfants. L'amour de tout ça. De donner à mes filles l'amour qu'on n'a pas eu. Et vous donner l'amour entre vous que vous n'avez pas eu non plus. Aussi. Oui. Et encore maintenant. Oui, encore. Hein, le vieux, oui. Je vois des gens qui se marient maintenant, un an après ils divorcent. Vous ne comprenez pas? Non. Je ne sais pas pourquoi ils sont mariés. Il faut mettre de l'eau un petit peu dans son vin, mais de chaque côté. C'est ce que vous avez fait? Bah oui, dans un couple, il y a toujours. Il y a toujours des coups de gueule un peu. Pas beaucoup. Bon, bah si, bah, y en a toujours eu. On les oublie, puis c'est tout. Qu'appréciez-vous, par exemple, Jean, qu'appréciez-vous chez Jeannine? Oh, bah si elle est... Attention. Elle est mignonne, on arrive à déconner tous les deux. Oh oui, beaucoup c'est, même. C'est... Puis, tout en déconnant, on arrive à se comprendre de certaines choses. Et qu'est-ce que vous appréciez, vous, Jeannine, chez Jean? Tout. Va pas dire de trop. Non, non. Va pas. Tout va ça. Va pas en mettre de trop. C'est un amour, mon mari. Ah. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.